Je suis devant le tableau de Bertrand de Miolis, Les trois amis. Ce tableau me fascine. Il représente le mystère de l'absence. Oui, une chaise vide est une absence, une invitation au dialogue, une évocation, une porte ouverte sur l'imaginaire et la création. Ces trois amis, il nous faut les inventer, créer leur histoire, leur déplacement, leur présence. Elles ne sont pas encore là ou elles viennent juste de partir? Je ne sais pas. Mais l'une me paraît plus exubérante que les deux autres. Elle fait de grands gestes, monopolise l'attention, elle parle haut et fort, d'un coup de tête envoie ses cheveux en arrière, croise les jambes, fouille dans son sac pour en sortir une paire de lunettes de soleil, enlève sa veste et la jette avec négligence sur le dossier de sa chaise. Et puis ces trois jeunes femmes disparaissent pour laisser leur place à trois autres locataires. Les conversations se succèdent avec chacune d'entre elles son lot de mystères. Je fixe ces trois chaises vides. Oui, je fixe ces trois chaises vides. Ces trois témoins de la vie qui portent en elles les multiples empreintes d'un temps qui passe. Qui passe. Qui passe. Marie-Claude Pietragala.